les choses bougent dans l'heure. Ça y est, l'un des caïds, même s'il n'a pas encore chuté, est reclus dans sa zone et apparemment n'ose plus trop montrer le bout de son nez. Vous entendez déjà des rumeurs de certains de ses partisans qui retourneraient leur veste. Et non, Johamed ne sort plus de son secteur. Par contre, vous, vous avez prévu de bouger et de frapper un gros coup. Votre objectif, cette fameuse usine, celle qu'on dit qu'elle pourrait nettoyer l'eau. Une source d'eau pratiquement inépuisable si vous arrivez à mettre la main dessus, même si celle-ci est pratiquement une journée de votre arche. Frank Fletcher, et Venom, et ainsi que Cassé, vous aviez réussi lors de votre dernier, lors du dernier regroupement, vous aviez enfin décidé certains de la population à vous rejoindre. Hélas, le racket de Frank a fait que finalement presque la moitié de ceux qui étaient prêts à vous suivre ont décidé de finalement de ne pas aider ce tortionnaire. Heureusement, vous pouvez compter sur l'aide de Jonas et de certains de ses, qu'il appelle lui, ses fidèles. Ce qui peut être... Combien déjà ? Justement, ce qui peut être inquiétant, c'est qu'à l'heure actuelle, si on compte vraiment la proportion d'hommes suite à votre perte, il serait légèrement supérieur. C'est lui, apparemment, qui amènerait le plus de bras, si l'on peut dire, ou de jambes. Même chose, si on peut considérer que chez vous, ça se compte en jambes ou en bras. Certains en ont quatre. C'est plus compliqué que ça. Effectivement, on va dire que vous aviez cinq mutants qui étaient prêts à vous suivre. Le force était pratiquement identique. Tout dépend maintenant combien, Franck, tu décides déplacer en tant que de tes hommes de main. Tu pourrais certes déplacer la totalité, mais tu sais aussi bien que laisser tes quartiers sans protection est sans doute dangereux. De son côté, Jonas, de ce que vous avez pu apercevoir, peut compter entre 10 et 15 personnes. Ce ne sont pas forcément tous des combattants aguerris, mais ce sont tous des mutants, donc déjà de base. Ils ont des capacités qui pourront servir. Maintenant, avant de partir, il va falloir vous organiser. Ben c'est à moins que vous partez directement. Est-ce que vous comptez recruter du monde? Est-ce que vous comptez avoir du matériel? Vous repartez dans la zone, même si le chemin est connu. Il vous demandera du temps et des ressources, aussi bien à manger, à boire, des balles. Il faudrait qu'on soit au moins aussi nombreux que la troupe de Jonas, quoi. Et vous ne savez pas combien vous avez d'ennemis. C'est une question. Ah, on vous espérez aussi faire un commando, ça dépend en fait de comment vous espérez en fait passer à l'assaut de cette... Ah, moi je voyais plus ça comme une invasion massive. Pas un truc dans la discrétion. Parce que le but c'est qu'on passe tous par cette espèce de tuyau qui y va et qu'on débarque au milieu du truc. C'était ça l'idée, non? Ouais. En tout cas, c'est le chemin qu'on avait trouvé. Donc on va les prendre normalement par surprise, si on n'est pas des... On envoie les mecs de Jonas sur le radeau. Fletcher n'a pas trop le même discours. Une approche massive n'est pas discrète. Hein. Non. Bah, une approche massive d'un truc dans l'eau, on va se faire... c'est un peu nul, non, Fletcher? Ah ben, moi, c'est comme vous voulez. Moi, à la base, je comptais pas y aller dans la dentelle, mais je suis pas... C'est pas moi le patron. Hein. Non, mais ils sont sur une île. Donc si on y va, enfin, on va nous voir arriver, quoi. Oui, c'est pour ça que je voulais juste les écraser par le nombre. Ils ont beau nous voir arriver, si on est 50 et qu'ils sont 10, ça change pas grand-chose. Ouais. Bon bah, moi je serai derrière Fletcher. T'as raison. Mais vous faut voir Franck. C'est... Qui de votre... C'était ça la question. Vous en parlez que entre vous deux, Venom et Fletcher. Vous en parlez à qui de cette... éventuellement de cette façon de faire? Ah bah non, je suppose que tout le monde est là. Hein.
Ah ben on en parle avec Franck, de toute façon nous on est que deux, donc bon, on va pas y aller à deux, parce qu'au niveau masse ça va être léger. Oui, On prend bien le sûr, chien. moi j'imaginais qu'on était avec Franck là, mais oui, c'est vrai qu'on s'est pas situé. Et Ben, même cassé aussi. y a pas besoin de 50 personnes. Tu prends le chien, et tu prends moi, et on va tous les bouffer. N'inquiétez pas. Ouais. Ben, l'idéal, ça serait d'en garder vivant, comme je disais, parce qu'ils ont l'air de savoir faire marcher les machines. Au moins le temps qu'ils nous apprennent comment ça marche. Et qu'on l'aurait tapé dessus. Ouais, ben, des prisonniers, quoi, après. J'ai pas dit qu'on allait leur demander gentiment. Non, je sais pas. Franck, il prend des notes, il a pas l'air Non, mais je réfléchis. cassé, t'es en pleine réflexion aussi. Parce que apprendre du monde, pas de soucis, hein, mais il faut. Si jamais ça prend plus de temps que prévu, va falloir les nourrir, ces gens-là. Il y a quoi je crois qu'il n'y avait pas 3 heures pour y aller? 3 heures, 4 heures? Ouais, maintenant on peut faire assez rapidement le trajet. Il y a quatre zones à traverser, je crois. Quatre. On connaît pas d'autre moyen de rentrer. On va passer par cette espèce de Cinq heures. truc. Bah, pour l'instant, soit on prend l'espèce de radeau qu'ils ont installé là, mais bon, pour moi c'est au casse-pipe, quoi. Ou on passe par les tuyaux. Non, on avait repéré une entrée. Une entrée. Oui, Franck l'avait bien repéré, son entrée. Il avait failli y aller jusqu'au bout. Et je suis Et tombé le dedans. tuyau, on est d'accord. C'est ça, Ouais, le tuyau, on parle tous du tuyau. ouais. Oui, il y a des tunnels apparemment. Il y avait un tunnel qui semblait passer sous l'eau. Ou alors on y va à 4 Tu avec le canoë. dis n'importe quoi, Fletcher. Tu testes des gnolls encore pour ta taverne. Bah non, je sais pas. Appelle-moi le nombre de l'autre débile, là, s'il te plaît. J'ai oublié le nombre des barjots, là. 15. Je suis pas sûr que ce soit très malin d'aller à 15 dans un truc où on sera tous à l'étroit pour se taper dessus. Je veux dire, si ils doivent se douter que, en tout cas, ils nous ont vus. Non, mais on met les mecs de Jonas devant. Comme ça, ils dégagent et après, nous, on passe. Pour qu'il en fasse des martyrs. Ça changera pas grand-chose. On le apprécie. En tout cas, si vous voulez recruter des gens pour pouvoir passer au-dessus du nombre de débiles, il va falloir du monde. Hein. Non mais attends, on fait une assemblée avant de partir à l'assaut et puis on dit qui nous aime nous suivre quoi. C'est déjà fait. On fait ta pub. Vous l'avez fait. Vous avez cru Ah merde. recruter 9 personnes. Putain, vous avez ramené que 9 personnes. Non, moins. Non, parce que ça c'était avant que les hommes de Franck ne se mettent à, pour avoir quelques ressources pour cette expédition, à aller racketter les mauvaises personnes. Et finalement que il y en a quatre qui finalement ne viendront pas. Donc il y en a cinq. Bah, enfin cinq recrutés plus 15 avec Jonas. Mais attends, 5 en dehors de ton gang? Oui. Donc il y a ton gang en plus, et nous? Calme-toi. Oui. Calme-toi avec le mot gang. Son gang, ils sont deux. Ah non, En il y en a fait, plein de petits. j'ai pris ma petite feuille là, j'ai commencé à mettre les noms de mon gang et je me suis rendu compte que le gang de Franck. Alors attention, 15 dans les 15, ce n'est pas, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément 15 combattants non plus du côté à Jonas. C'est-à-dire C'est que bon. ce n'est pas. Il a, on va dire, dedans, il a certains de ses hommes. Puis il a d'autres personnes qui le suivent, apparemment, puisqu'il avait déjà, lui, commencé un peu un recrutement. Mais ce sont des gens qui, on va dire, ne sont pas des fracasseurs, quoi. Ce sont juste des gens qu'il a motivés, comme vous avez motivé les cinq qui viennent avec vous. Pour moi, c'est bon, on est 5 recrues. Nous 4, ça fait 9. Toi, tu vas bien trouver quand même 3 mecs à emmener, Franck. Ça reste bien ça, bon sang. On sera 12, 15, on est 27. Si je retire l'éclopée, si je retire celle qui s'est fait enlever, si je retire Cassio, qui ne fait pas partie de mon gang, il ne reste pas grand-chose. Ah, Cassio, à l'heure actuelle, il va peut-être pas rejoindre. Plus de ça, il est cassé, si je me rappelle bien. Oui, il est blessé. Cassé, c'est pas lui. Tu as Ino, Ina, Gino, Marius. Laïenne, Marius et Le gang Buzz. des Italiens, quoi. Buzz. Eve, elle est plus là. Sixter, il est présent. Il est présent. Sixter, on l'a pas. Il n'a plus de jambes, lui, non? C'est ça? Mais c'est pour ça que Ouais. je dis qu'il est présent. Mais il fait partie encore de ton gang? Non. Bah, en tout cas, il est dans le bastion.
Bon, en gros, t'as qui ? Bah, en gros, j'en ai 5. On est d'accord que j'avais plus l'équipement de plongée, là, parce qu'il est encore en train de me pourrir mon inventaire. On l'a mis dans le kayak. Je crois, oui. Je crois, oui, qu'on l'avait caché. Ouais. On l'avait pas donné, non ? Non, je crois qu'on l'avait caché. Vous l'aviez pas donné. Je le vire, je le mets dans l'arche, ou un truc comme ça, je sais pas. Où est-ce qu'on avait mis le kayak ? Bon. Non, non, dans l'arche, il y a pas de... Dans votre planque. Faut que l'un le mette dans sa planque. Bah, tu le mets dans groupe ? T'as un truc groupe. Dans ta planque. Mais on a un truc groupe. On le met dans groupe. Enfin, vous pouvez l'amener, je sais pas. Pour faire une équipe de plongeurs, saboteurs. Très bien. En tout cas, alors que vous débattez comment faire, les débats c'est une bonne chose. Maintenant, ou peut-être, comme le dirait si bien Fletcher, maintenant il faut agir. Que faites-vous ? Déjà, je vais essayer de voir avec Cassio pour recruter un peu plus de gens du côté de chez Joamed. Donc tu vas en direction, d'accord, avec Alors, Cassio. Par contre, on y va doucement, hein. On va pas y aller non plus comme oui, des brutes. Ça va être une prise de contact. Et est-ce que tu veux que je vienne ? Je peux peut-être faire de la manipulation ou des trucs comme ça ? Si tu veux, oui. Tu peux venir. Pendant ce temps-là, bah, les deux autres, si vous pouvez trouver de l'équipement. Il faut des molotovs, quoi. C'est bien, les molotovs. Ah, si on peut éviter de nous bloquer le chemin dans le conduit. Ah, on va pas débarrasser dans le conduit quand on sera... Oui, évidemment, je suis pas con. Je sais pas, après. Hein. Je sais pas ce que tu comptais en faire, des molotovs, mais... Bah, une fois qu'on va débarquer de ce conduit, on va se retrouver au milieu du truc. Si on pouvait éviter les dégâts matériels, ça serait bien. Ouais, mais Franck, tu veux pas de mort, tu veux pas de dégâts matériels, bon, c'est pas non plus, on va pas faire ça pile ou face. Il vous faut un rafistoleur, ainsi que de l'agneau. Bah, je dis pas qu'il faut pas en prendre, je dis juste qu'il faudra les donner à des gens compétents. Ce soir, sûr qu'on va pas les donner aux hommes de Jonas, si tu vois ce que je veux dire. On a perdu Cassé. Est-ce que vous avez l'agneau déjà ? Je me tourne vers Fletcher. Attends, je regarde ça. De l'agneau. J'en ai pas sur moi. Est-ce que j'en ai dans ma. Un ! En train de... Un truc de gnôle. Vraiment désolé. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Couchant en double sur le stream. Salut. C'est vrai que j'étais en train de faire des études pour devenir rafistoleur, mais j'y suis pas encore. J'ai pas encore toutes les compétences. En train de faire des études pour devenir rafistoleur ? Ah oui, ton histoire ouais. De. Donc, tu vas voir un rafistoleur avec Venom, c'est ça ? Ouais. Ouais, on va voir Urania et des rafistoleurs. Hein. Oui, Urania voilà. Et rafistoleuse. On va voir. Tu vas voir Urania. Eh bien, vous arrivez et. Urania est donc à l'endroit où elle habite maintenant. C'est vers le volcan. Hein. Ouais. Maintenant. Et vous la trouvez. C'est maintenant installé depuis quelque temps là. C'est fait un espèce de petit atelier. Et elle est ravie de vous voir. Un grand sourire. Salut. Alors que vous arrivez. Ah, eh bien, qu'est-ce qui vous amène ? Ah, on a besoin de tes services. Tes talents même. Mm-hmm. Très bien. Et qu'est-ce que vous voulez ? De quoi faire péter ces ghouls qui nous empêchent d'avoir toute l'eau dont on a besoin. Vous n'avez pas peur d'abîmer un peu les infrastructures Comme si on n'avait pas des rafistoleurs de talent qui pouvaient nous réparer ça en deux-deux. T'es plutôt confiant, oui. Je t'avouerais que je sais pas trop comment ça marche, leur truc. Si on le savait, ça ferait bien longtemps que... On se battrait pas avec un récupérateur de pluie. Hein. Ça sera pour la... En cas de force majeure, tu vois, si jamais on est... Parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver réellement. Donc, on va y aller, on va essayer évidemment de rien péter, de pas perdre des gens. Mais au cas où on soit acculé, bah, il nous faut un truc qui pète, quoi. Il faut qu'on puisse... Sinon, si t'avais un truc... Vous avez la ferraille, vous avez la matière première, là, parce que... Vous voulez des trucs qui pètent ça se trouve pas vraiment dans les bennes à ordures de l'arche, hein, ce que vous me demandez quand même. Les explosifs, je suis capable d'en fabriquer, hein, et il me faudrait déjà une base, quoi. On a une petite gnôle. Ouais. Je pense qu'il y a de la pomme dedans. Mais t'as pas de la gnôle, toi ? Pourtant, tu fournis la taverne un peu, non ? Non, c'est pas ça ? Ah non, pas vraiment, non. Ah, dommage. Et votre taverne court pas vraiment sur l'agneau. Peut-être le jour où l'arche se décidera à fabriquer
une distillerie, on verra. Mais jusqu'ici, non. Je fais avec ce qu'on nous ramène. On est concentré sur le musée pour l'instant, mais on y pensera. Bah, l'eau, en ce moment, je t'avoue que... Oui, vendre de l'eau, c'est intéressant, apparemment. Oh là là, là la taverne, quoi. Bon, ouais. J'ai un peu de gnoll. Non, mais en plus, il faut lui dire, Fletcher, que si elle contribue... Je peux fabriquer un alambic, mais c'est pareil, avec... Il va me falloir du temps, quoi. Ah oui, non, 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 là... Fletcher, tu penses pas que si elle contribue à notre victoire de façon éclatante, Urania, quand même. Bon, bah, sa portion en eau est toute trouvée pour... Elle aura plus de problème, je veux dire. Oui, enfin, c'est le but pour tout le monde dans l'arche, quoi. Hey, mais elle sera VIP, tu vois. Ah oui, oui, oui. D'accord. Pardon, excuse-moi, je suis mauvais en... Non, je devrais pas être mauvais, d'ailleurs, c'est mon métier, mais... Ok. Et c'est le vieux du pied gauche, je te cherche, j'ai l'impression, ce matin. On te fait confiance, tu vas nous faire un truc qui cartonne, c'est sûr. Bon, je lui donne ma gnôle, en tout cas. Prends la gnôle. Tu peux faire avec ça. Je regarde ce qu'elle peut faire. Mais c'est vrai que je peux faire cramer les gens, maintenant. Moi, j'avais oublié que j'avais encore muté. Rappelle-moi, très bien, ce que t'avais muté. Pardon ? C'était quand que t'avais muté ? Je m'en rappelle plus. La session d'avant. Je sais plus, j'avais utilisé mon truc télépathique, là. Je suis devenu pyrokinésiste. Bah, dis, attendez, je vois ce que je peux faire avec ce que j'ai en ressources. Et puis, elle commence à aller bricoler. Prend quelques temps. Puis finalement, elle arrive. Ça ressemble pas du tout à comme film de ce qu'elle ramène. Apparemment, tu vois qu'il y a l'agneau, hein. L'agneau est dans un réceptacle en verre. Et il y a une espèce de truc avec. Elle fourgue ça, Venom. Elle dit voilà, t'appuies là-dessus et après tu le lances très loin. Et vite, c'est une charge explosive. C'est une charge explosive. Ça pète. Alors tu peux régler avec l'aiguille, là. Si tu la laisses là, c'est trop. Ça pète dans 5 secondes. Si tu la mets là, ça pète dans 30 secondes. Mais c'est génial. Voilà. T'es un génie, Urania. Elle est trop forte. En plus, je kiffe ta couleur de cheveux. Je t'ai jamais dit, mais tu m'expliqueras. C'est naturel. Enfin, c'est gênant. Est-ce que tu t'es déjà penché, excuse-moi. Je me suis déjà penché, souvent, sur le café. Je cherche comment les anciens faisaient le café. J'ai toujours pas trouvé. Ah oui, en ce moment, je pense aux pneus. Au café ? Ah ! Et une boisson noire. J'avais vu dans une vieille image, ils mettaient de la poudre noire dans de l'eau. Ouais, c'est pas du charbon. J'ai testé. Je vais tester le pneu bientôt. Mais sinon, tu peux peut-être aller voir. Je crois que à un moment, t'avais Pontia qui il faisait macérer des feuilles dans l'eau, ça devenait noir et il disait que c'était vachement bon. Alors moi, de loin, je trouvais que ça puait. Et de loin, alors de près, j'ai pas essayé. Après, je sais pas quelle odeur ça avait. Ça se trouve, ils buvaient des trucs qui puent, les anciens. Je sais pas. Demande à Fletcher, elle a peut-être déjà goûté. Pontia qui t'a déjà fait goûter ça. Ouais, alors Fletcher, sur les goûts de la nourriture, je suis pas hyper convaincu, mais je le ferai quand même. J'ai un très bon palais. C'est pas parce que je peux tout manger que je trouve que tout est bon. Pas pareil. Oui, oui. Pendant ce temps, pendant que certains parlent de nouveau gastronomie, c'est en retour de vite autour de la bouffe, sur Hoth, ou plutôt dans le secteur de Hoth, vous arrivez avec Cassio. Cassio vous dit, ben, je pense qu'on peut aller voir peut-être un ou quelques-uns. Bon, que tu sois convaincant avec eux, mais c'était plutôt des membres, disons, qui parlaient déjà de lâcher Johamed il y a 2-3 jours, et avec ce qui s'est passé dernièrement, je pense qu'il y a toutes les chances de les faire pencher de ton côté de la balance. Va falloir que tu sois convaincant, c'est tout. Après, c'est des fracasseurs, genre de personnes. On va dire qu'ils comprennent que deux choses. Soit le physique, mais ils te regardent à la tête aux pieds. Soit... C'est une critique que je vois dans tes yeux.
Non, du tout, oui, je n'oserais pas. Pas dans mon état actuel. Soit des promesses qui soient tenues. Mais si on va chercher de la flotte, normalement, devrais avoir toutes les promesses possibles à leur faire. Et c'est qui, à tout hasard, ces personnes? On les connaît peut-être déjà. Non, ils te citent des noms, tu les connais de nom, les fracasseurs. Non, tu n'as pas de nom, puisque... Le seul fracasseur de Johamed qu'on avait là dernièrement, il a été démonté par Fletcher. Donc leur nom, il y en a un qui s'appelle... Il n'y a pas de Solar dans l'eau, c'est ça que je voulais savoir. Non, Solar, il est avec Jonas, mon cher. Bah, par contre, il est peut-être vraiment avec Jonas. Pour moi, il était avec Johamed. Non. Ok. Non. Et non. Attends, on ne le voit plus depuis. Il a disparu. Il y a Johnny et Gringo. Allons voir donc Johnny et Gringo. Et donc, vous arrivez hein, tous les trois. Il y a effectivement à l'endroit où vous amène Cassio, vous arrivez dans une petite alcôve où il y a à l'heure actuelle il y a un bidon qui brûle. Et vous voyez trois mutants autour, dont Johnny et Gringo. Et le troisième, vous le connaissez aussi. Puisqu'il s'agit de, on en parlait il y a peu, d'un nommé Pontiac, un fistoleur. Vous le connaissez parce qu'il rêve de faire une sculpture monumentale faite de briques et de brocs. Il a déjà commencé. Oui, il me semble bien. C'était moi qui étais allé le voir? Non, c'était pas moi qui étais allé. Moi, je crois que j'étais allé le voir avec des verres. Oui, tu lui as vendu des verres à champagne. Et donc, vous arrivez là, avec Cassio. Et est-ce que l'un de vous parle, apparemment? Peut-être cassé qu'on comptait. Ah oui, je sais pas. Enfin, ça dépend. Si Franck, tu recrutes pour ton groupe ou si c'est juste pour. Pour attaquer. De toute façon, ça va être les deux en fait. Je vais m'approcher des deux. Bon, je regarde un peu bizarrement Pontiac quand même. Faites-vous donc là tous les trois. Vous faites des messes basses. Un Gringo qui te regarde, c'est plutôt à toi qu'on aurait posé la question. T'es pas vraiment sur ton territoire. C'est vrai, mais ça tombe bien parce que je vous cherchais. On m'a dit de source sûre que vous étiez plus trop, comment dire, dans la même ligne que votre patron. Et moi, je cherche des gens motivés. Ça dépend. Tu comptes nous motiver comment? Étant donné que je participe à l'intervention de la station. Vous pensez bien que déjà d'un point de vue haut, vous serez bien avantagé par rapport à d'autres. De plus, je cherche à recruter du personnel, donc ça vous donnerait du boulot. Est-ce que t'es vraiment sûr que la gestion de l'eau, ce sera toi qui aura la main mise dessus ou... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que... Ah oui, ben... Je dis juste que ce sera pas votre patron. Non, mais ce serait dommage que ce soit un autre. C'est vrai. Mais après tout, quelle chance vous avez avec votre patron? Zéro. Alors que moi, vous avez une chance sur deux. Il se regarde, il sourit un peu. Et oui, mais si on te dit ça, tu te doutes bien que t'es peut-être pas le seul à être venu nous voir. Ah, on vous a déjà fait une offre. Ah bah voilà, commencez par là plutôt que me faire parler dans le vide. Disons qu'on n'a rien accepté. Hein. On est ouvert à toute proposition. Mais effectivement, Jonas recrute dur en ce moment. Bon, ça fait quelque temps qu'il recrute dur. Pas une nouveauté, pas une surprise. Depuis qu'il a pris quelques hommes de Vera, il espère grossir un peu. Oui, je pense bien qu'il essaye de taper à tous les râteliers, celui de votre patron compris. Après, en termes d'eau, je peux même vous payer, si vous voulez. Ça nous intéresse, ça coûte les balles, la nourriture. Bah, bien évidemment, la nourriture. On sait bien que... En termes de nourriture, j'ai de quoi donner. Et là, tout de suite. Vous voulez là, dans l'immédiat? Vous êtes compliqué. Si vous voulez, je peux vous filer 3 balles à chacun. Tu vas faire un test de commandement. Tu vas avoir un plus 1. Parce que tu pousses. Ça va pas manquer. Hein. Apparemment, tu vois dans leurs yeux que ça les satisfait pas vraiment. Et non, on a une meilleure offre. Écoute, vas-y, je n'insiste pas. Ah oui? Ils ont vraiment envie de manger de la chair humaine avec des gens. C'est chacun ses bails, hein. Oh,
de regard. Je crois que vous êtes mal placé pour faire la morale là-dessus. Non, moi j'ai jamais mangé de mutant, mais... Ah, mais... Enfin... Vous savez, moi non plus, mais... Apparemment, quand on laisse faire les autres, après tout, on est tous pareils. Tu n'es guère différente de nous, au final. Oh, de vous, non. C'est bien ce qu'on pensait. Vous auriez dû accepter, je pense, parce que Franck est très magnanime et très sympathique. Non, mais nous, on ne traîne pas avec quelqu'un enfin, sympathique, nous. Quand on est dans son camp. Laisse tomber, casser. On arrivera à s'en sortir sans eux. J'obéis. C'est un échec, hélas. Alors, vous faites demi-tour. Et vous pouvez retrouver les autres qui sont tout contents avec leur charge explosive. Donc, vous avez une charge explosive puissance 6. C'est-à-dire que quand ça fait des dégâts, on lance 6 dés. Ah, peut-être ça peut faire des dégâts, là. Restez pas à côté. Bon. Fais gaffe, je vais pas la faire tomber. Oh putain. En tout cas, une fois que vous êtes arrivé, vous considérez que tes hommes, en tout cas, Franck, se sont rassemblés, prêts à partir, sans doute. Du moins pour ceux que tu vas leur dire de partir. Je vais prendre la hyène et Gino avec moi, et je vais laisser Marius et Ina au bastion et Buzz à la taverne. Tu prends, t'as dit qui ? La hyène et Ina, c'est ça ? Ina. Et... Qu'est-ce que tu leur dis, Ina, pour qu'ils te suivent? Ben oui, hein, c'est le principe. Ben pourquoi nous on irait? Écoutez, j'ai besoin. Les autres ils restent là. Pourquoi c'est pas le gros plein? Ça c'est la hyène. Hein. Pourquoi c'est pas le gros plein de soupe? Ils gardent la taverne. Moi je veux bien garder la taverne. Parce que maintenant t'as peur d'aller affronter des personnes, toi maintenant. Bah non, mais... Si je vous prends toutes les deux, c'est que j'ai besoin de personnes de confiance pour ce job. Ouais, mais c'est dangereux. Bah oui, c'est dangereux, oui, mais je compte pas vous laisser y aller comme ça. Bien évidemment, si jamais on arrive là-bas, vous aurez une ration d'eau. Chacun d'entre vous. Et bien évidemment, je vais vous payer maintenant. Ah. Alors, pour le coup, t'as gardé tes 3 balles tout à l'heure, donc bon. Voilà. Bah, je vais leur donner à elle, du coup. Ça m'a fait économiser du pognon. Tu donnes une balle chacune ou tu donnes quoi? Une balle chacune? Non, je vais donner allez, 2 balles. Ça me donne quoi, 2 balles? 2 balles à chacune? Moi je dis à Venom, mais ça a l'air chiant d'être Kaïd, hein, en vrai. Je croyais que tout le monde lui obéissait au doigt et à l'œil, mais il doit payer tout le monde. Nous on se fait avoir, on y va gratuit. Non, ils obéissent pas au doigt et à l'œil. C'est ce que j'étais en train de me dire. Puis ces gros bras ils sont là, c'est dangereux. Non, mais attends. Pourquoi nous on y va gratuit? On va lui demander de payer aussi. Vous négociez avec lui, vous dépatouillez. Attention les gars, ça va être dangereux. Très franchement. Bah tu vas lancer et tu vas pouvoir... T'auras un moins 1. Lui qui avait plein de bras, il était un peu plus efficace. Bon après... Tu n'auras que un moins 1. Nous on y va sans être payé parce qu'on a envie que ça avance cette histoire. Parce qu'on a envie de progresser, je crois. Ah... Progrès. Puis, vous êtes les héros. Non. Parce qu'on a soif. Aussi. Personne d'autre le fera. Moi, je sais pas si je vais y aller casser ça. Ça a l'air dangereux. Qu'est-ce que c'est que ces gros bras? Oh là, attends, il se passe quelque chose. Là, il y a un souci qui va pas, là. Comment ça se fait que j'avais plus de dés avant? Mais je sais pas, moi. Il y a une bite dans le bottage, là. Ils sont passés où, mes 3 dés verts, là? Ils ont été mangés? Les verts, ils peuvent pas diminuer. Bah oui, c'est pour ça. C'est pas normal. Non. Les seuls qui peuvent diminuer, c'est les jaunes. Bah ouais, et j'ai lancé le même jet. T'avais pas un plus tout à l'heure? Avec les balles? Non. Si, mais j'avais un plus 1. Mais c'est un plus 1 en jaune. T'as deux en commandement, t'es censé lancer 2 des verts. Là, ça m'en a lancé qu'un. Si tu cliques sur commandement, ça te lance effectivement 4 dés. Parce que t'en as perdu 3 en intellect à pousser tout à l'heure. Mais là, t'as un succès. Ça te suffit, ils te disent. Ok, on te suit. On vient avec toi. Donc là, Yen et Ina te suivent, sachant que Ina est télépathe. Et la Yen apprécie énormément Fletcher. Vous êtes donc prêts à partir.
Bon, bah, allez, allons-y, là. On a un peu trop tergiversé. Ouais. Allez, dis-moi qu'on est de l'eau à volonté, là. On se motive, bordel, les grands, là, les grands gaillards. Jonas arrive en comptant maintenant en nombre réel, lui compris, en totalité, ils sont 13. Donc vous êtes pratiquement quelque chose près. Pratiquement. On est à un près. Pratiquement non identique. Bon, eh bien, l'armement est assez succinct. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'armes blanches, des battes, chaînes de vélo, quelques frondes. Très bien. Alors, Jonas te rejoint, Franck. Eh bien, allons-y. Vous êtes mieux à même, Venom, je suppose, mieux à même de nous guider. Est-ce que tu viens avec nous ? Bien entendu. Ça, c'est sûr. Et j'aurai 2-3 consignes quand on sera dans la zone. Parce que si on arrive là-bas en ayant déjà perdu des hommes, ça ne gérera pas de faire n'importe quoi. Et on pourra parler du plan arriver là-bas. Ouais. Avant d'arriver là-bas. Mais en allant là-bas, vous me suivez. On te suit. Parce que c'est pas votre prophète qui va vous sortir les miches de la zone. Mais c'est parti. Comme je l'ai dit à mes ouailles, j'ai rêvé que tu nous conduisais sur le bon chemin. Ouais. Eh ben, vous l'avez pas vu souvent. Hein. Une fois, j'ai écarté la mer Rouge, mais c'était il y a bien longtemps. Eh bien, allons-y. Eh bien, allons-y. Vous prenez la route, donc, en direction du sud. Alors que vous marchez, forcément, Jonas s'adresse à Franck, mais pas spécialement. Si vous êtes à côté, il s'adresse aussi à vous. Et alors, quel sera le plan ? Elle est là-bas. On se sépare. Des petits groupes. Moi, j'ai une bonne idée. Pas. Très bien. On passe, on entre, on bute tout le monde, on en garde un ou deux. Et voilà. Et ça sera facile de rentrer. Bah oui, il y a un tuyau. On n'en sait rien. On n'a pas vu ce qu'il y avait au-delà de ce qu'on a vu. Mais il y a un passage qui nous permet potentiellement d'accéder à l'île en passant sous la mer. Ou on prend le bateau. Bateau Et vous avez pas dit qu'il y a une espèce de barque Ouais, mais ça pue, moi. On rentre pas à 30 sur la barque. Non, puis on va se faire tirer comme des pigeons, là, sur la barque. Vous êtes pas 30. Si tu surestimes, groupe. Ouais, on est 24. Vous êtes 25. Ah, 25. Ouais, mais moi, j'aime bien exagérer. Vous savez quoi, des assaillants? Enfin, plutôt des défenseurs. Ouais, c'est de la goule de base, quoi. On les pensait... Ils seraient pas suffisamment intelligents pour faire une bêtise. Ah bah si. Lui, ils a fait tourner une usine. Ah. Je crois qu'on a tué un enfant, non? Peut-être qu'ils sont énervés contre nous. Quand je parlais de bêtises, je me disais... craignez pas que s'ils voient leur défaite arriver, ils fassent une bêtise concernant l'usine. Si. C'est vrai qu'il faut être plus rapide. La rapidité. Très bien. Vous progressez. Dans tous les cas, le plus rapide, c'est de passer par le tunnel. Même si on ne sait pas où ça va nous mener, ça reste la solution la plus rapide. Parce que traverser, que ce soit à la nage ou à l'aide d'un moyen de transport, ce sera trop long et nous verrons arriver. Entièrement d'accord avec ça. Et pareil, si on peut se rapprocher un maximum de manière à éviter d'être repéré avant de lancer l'assaut, ça pourrait être bien. Plus proche on sera de l'usine, moins ils auront le temps de faire des âneries avec. Donc, rapidité et discrétion. Je sais que ça paraît étrange au vu des 25 bonhommes qu'on se traîne, mais il va falloir s'y appliquer un minimum. Non, ça dépend comment on s'y prend. Mieux vaut donc dans ce cas peut-être envoyer un premier groupe, faire de s'avancer, essayer de voir s'il y a moyen de déblayer la route discrètement, et puis les autres qui suivent de loin derrière et qui interviennent dès que ça semble le roussi. En tout cas, au bout de plusieurs heures de marche, suivant Venom, vous arrivez à un endroit que comme vous commencez à connaître par cœur. C'est presque votre avant-poste. C'est cette antenne radio à côté de laquelle pourrit une carcasse d'oiseau géant. Ah, encore là, j'en reprends un peu plus. Et un peu plus loin, un bébé. Ah non, ça je le laisse.
Vous arrivez là. Et nous sommes en milieu d'après-midi. Que comptez-vous faire? Il vous faut une heure pour arriver jusqu'à la... jusqu'à l'île. Attaque de nuit. Mais on connaît pas les lieux. Alors vous savez que les ghouls préfèrent la nuit, par contre. Bon bah attaquons le jour alors. C'est vrai. Libre à vous d'attaquer de nuit, mais les ghouls, elles, n'aiment pas trop le jour. Mais je m'étais fait attaquer de jour, moi, la dernière fois. Oui. On n'était pas de nuit. Non. Bon, elles étaient en combinaison. Oui. Et elles sortaient d'un tunnel. Dans les tunnels, question jour, c'est un peu limité. Alors, dites-moi, cassé, on t'entend pas. On voit que tu voulais dire quelque chose. Je vais dire, autant ils auront bouché le tunnel quand on va arriver et on sera comme des imbéciles. S'ils bouchent le tunnel, ils peuvent pas ressortir de là. Donc dites-moi comment vous organisez votre approche, et etc. Chacun, voilà. Vous faites plusieurs groupes, apparemment un premier groupe qui partira en avant, puis suivi d'un deuxième. Comment vous vous organisez? Moi je laisse les plans aux personnes intelligentes. Je vais voir Cassé, je dis comme ça, je dis, mais dis Cassé... pas que il pourrait arriver un accident à Jonas pendant la baston. Oh, mais on parle pas. Il pourrait disparaître. Mm-hmm. Il pourrait disparaître exactement de la même manière qu'il a fait disparaître certains cadavres. Si j'en ai l'occasion. T'inquiète, ouais. Si ça te rebute un peu, sinon il n'y a pas Poot. Ah ouais, c'est ce que j'allais te demander. Discrètement. Allô ? Tu passes ça devant tout le monde. J'ai toujours pas la réponse à ma question. Ah, pour le plan. Bah moi, je veux bien faire partie du groupe d'éclaireurs, quoi, qui va aller repérer ce qui se passe. Bah, il faut des gens discrets pour ça. Voir au moins si le tunnel il est toujours accessible, déjà, pour commencer. Un point que notre cher Cassé a révélé et qui est dans le vrai, quoi. Ah, ouais. Bah, on va aller repérer l'entrée du tunnel. Venom va seul. Les autres, vous attendez à l'arrière, c'est ça? Je pourrais être discret, mais après, je pourrais plus rien faire pendant la baston. Je peux être discrète, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'être discret à plusieurs. C'est selon. Ici, il faut quand même... on va pas le laisser partir tout seul. Bon, je vais avec Venom, allez. Bras dessus, bras dessous, on va aller... Vous y allez tous les deux, c'est ça? Ouais, c'est quoi ça? Juste en terrasse, c'est bien. Ça? Allez, allons-y. Et donc, vous avancez. Bah, vous êtes que deux, hein, donc des éclaireurs, apparemment... petit groupe et vous faut donc une heure pour arriver à la station de manière discrète et vous trouvez la plaque menant au tunnel. Non, celle-ci n'est pas scellée, elle est toujours là, le tunnel est toujours accessible. Il n'y a pas de garde, on voit pas. Ben, qu'est-ce que vous regardez exactement? Tu regardes l'île, tu regardes le tunnel, tu le vois clairement. Pas... Enfin, il n'y a personne. L'entrée, en tout cas. Non. Pas que tu vois. Non. Et si on essaye d'observer l'île, de s'approcher des bords? Test d'observation. Tous les deux? Tu vous observez tous les deux, oui. J'ai observé. Plisse les yeux. Très bien. Vous remarquez que... il vous semble pas avoir vous avoir repéré. Vous remarquez plusieurs ghouls dont apparemment une. Ils ont dû remarquer que depuis quelques jours l'oiseau ne revenait pas. Et vous avez une ghoule qui semble observer les lieux du haut de la cheminée, carrément sur cette espèce de nid monstrueux. Vous remarquez quoi d'autre? Pendu à justement à cette tour, vous voyez une silhouette humanoïde. Vous en voyez trois silhouettes humanoïdes. Je sais pas qui c'est ou ce que c'est, mais il y a trois silhouettes humanoïdes qui sont pendues à des câbles tombant de cette cheminée. La plupart de l'activité semble autrement se concentrer autour des réservoirs, sur la partie gauche, après les citernes en espèce de boule. Et donc, c'est des endroits où les gens rentrent et sortent. Vous voyez quand même très peu de ghouls, mais on est de jour. Donc, voilà ce que vous pouvez observer. Bon, ils vont nous voir arriver de loin. Pourquoi tu dis ça si on passe par le tunnel?
Ah ouais, mais le mec sur sa cheminée là, surveille. Ce qu'il peut voir jusqu'ici. Nous, on a été discrets, mais à 25, je pense qu'il va nous voir arriver. Ah ouais, est-ce qu'on pourrait essayer de repérer un passage qui ferait qu'on arriverait dans le tunnel sans se faire repérer de l'île ? Faut ramper, quoi. C'est envisageable. Pour être discret, quoi. Si vous arrivez à le troupeau à 25, effectivement, il va vous repérer. On peut pas faire 25 jets de furtivité réussi ? Non. Le principe n'est pas là. Vous pouvez être discret, mais effectivement, si vous pointez à 25 la fleur au fusil, il va vous voir. Mes voisins, on va rejoindre le tunnel par petits groupes qui rampent. Ça va le faire. Oui, ça, c'est envisageable, ça. 4 par 4, 5 par 5. Ok. Bah, déjà. Si tu veux essayer de repérer un chemin adéquat pour faire ça. Bah ouais. Donc tu vas me faire un test de discrétion. De furtivité, tout simplement. Saloperie. Je vois pas, Fletcher. Si. Tu vois un chemin que tu penses adéquat. Ah bah si, là, il y en a un, c'est bon. Tranquille. Il y a un talus. Et celui-ci semble tout à fait approprié. Impeccable. En suivant ce talus-là, il devrait pas vous voir. Il n'y a pas de raison. Bon, bah c'est bon, on a toutes les infos qu'on voulait. Et Fletcher, quand il te l'explique, dans un premier temps, ça te choque pas non plus, tu te dis que c'est une bonne idée. Il y a juste le Fletcher va me faire une connaissance de la zone. La connaissance de la zone ? Oui. Ah, moi ? Oui, là. Ah, oui. Tu as ça. Je sais pas si t'es bon, t'es peut-être très mauvais. Mais c'est une très bonne idée. Non. C'est l'idée du siècle. Ah. C'est l'idée du siècle. Ce talus va vous sauver la vie. Je pousse parce qu'il me faut un peu de points de mutation pour la bagarre. Voilà, t'as bien raison. Par contre, tu perds d'autres points. Oui, oui. Est-ce que c'est une bonne idée ? Vous retournez faire votre rapport ? Vous faites quoi ? Vous descendez dans le tunnel ? Non. Passez à l'assaut tous les deux ? Je ne sais pas. Vous prenez un radeau et... Non, on va ramener les... Les infos, ouais. On a trouvé un pur chemin pour rejoindre le tunnel discrètement. On est à la zone, à la radio. Il vous faut une heure. Ouais, parti. Hein. 2 heures sont passées. On était au milieu d'après-midi, on commence à taper sur la fin d'après-midi. De toute façon, faut attaquer le matin, non ? On est d'accord, hein ? On attaque en journée, quoi. Ah bah oui, on dort à la station radio. Il faut dormir à la station de radio, c'est un rituel. Oui. Ça va nous porter chance. On peut faire des tours de garde, là, à 25, c'est bon, on peut dormir. On laisse les autres veiller. Très bien. Vous avez le rapport. À vous de décider ce que vous faites. En tout cas, vous passez la nuit. Certes, il y a des tours de garde, mais effectivement, à 25, ça devrait quand même le faire. Et les gros dangers de ce secteur ont été éliminés il y a peu, donc finalement, la nuit passe. L'aube se lève. Il est au point de passer à l'aide. Est-ce qu'on regagne des points d'intelligence ? Oui. Voilà. On va récupérer vos points d'intelligence. Que faites-vous ? Et ben on se met tous en route, et quand on arrive... Et quand on arrive à bonne distance du tunnel, ben on va faire des petits groupes qui vont suivre le talus, ça va être génial. Et cinq groupes de 5, puis voilà. Très bien. Waouh, 5 groupes de 5. Waouh, Franck. C'est un groupe de 5, parfait. T'es un vrai mathématicien. Calcul. Vous faites partie du même groupe. On va faciliter les choses. Allez, on prend le premier. Allez, on est débiles. Allez, vous prenez le premier, d'accord.